Est-ce que bon Dieu te mette nous là? Nous sommes en grande famille, ça. Pour nous prier ensemble et pour nous contempler ensemble la faveur de Dieu. Yeah. Et matin, dans le dimanche, nous lever et dans le thème, nous, que nous joignons le proverbe là, côté sage, l'a dit, dans le proverbe chapitre 13, verset 21. Ben, je l'ai dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Mes chers frères et sœurs, nous avons gardé nous-mêmes qui est un pile exemple pour nous que dans la vie familiale, que dans l'expérience qui fait pendant la vie. Et puis, je crie, je parle de bonheur sous toute forme. Et de côté, je même pose bonheur, question. À travers l'expérience, li, David, dans Somme 4, dans verset 7, là, monsieur Pral pose une question. Monsieur Pral dit, dans Somme 4, verset 7, David dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Et maintenant, et Noé, monsieur fait pile promesse. Bon côté, monsieur Pral écrit dans Psaume 23, le verset 6 que n'a précité chaque jour, monsieur vient rendre compte. Il peut dire oui, certainement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Mais bon, seulement, là, bon, l'autre bagaille, oui. Si et seulement si nous habitons dans la maison de l'Éternel, c'est pas laisser que mon petit problème, les bon petit calamité, nous venons jeunes, quand tout va mal, nous venons, et puis quand il y a souri pour nous aller. Amen. Mais, amen. C'est si et seulement si nous habitons dans la maison de l'Éternel. Mm-hmm. Et c'est si jusqu'à la fin de nos jours. Je vous dis, nous sommes à travers, et verset, à travers texte de ça, dans Somme 23, dans le petit Dieu, chaque joie, dans moi que nous avons médité sur le bonheur, nous est votre bonheur, mes chers frères et sœurs, n'est nulle part ailleurs, mais il est en l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et le psalmiste David, il continue à contempler le bonheur. Et nous aurions David, maintenant, nous, là, nous, David a parlé de bonheur. C'est pas comme ça, comme ça. David, son mec qui souffrit en pile, mec qui a enragé la boumé à bête sauvage, la fait expérience. Et c'est ça que fait le David pour contempler le bonheur, le David pour jouer le bonheur, parce qu'il a accepté de rester avec papa en dépit de toutes vicissitudes de la vie, en dépit de toutes difficultés de la vie, il était là. Mais David vit nous voir la joie bonheur. David, you neg le David pour la loi, dans Somme 27, David, dans verset 10 là, on commence verset 4 là, dans Somme 27, côté Mabdou, quel que soit pour jouer bonheur, pour retirer la caille de Dieu. Et David pour le dire dans verset 4, je demande à l'Éternel une chose que j'ai désirée ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel et pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est-à-dire que le bonheur n'est nulle part ailleurs, mais dans la maison de l'Éternel.
pendant tout temps. Alléluia. Et dans verset 10, David Oneg, il pral, David pral roi. Il oublié Maléria. Il n'y a pas qu'on existence li. David pral dit dans verset 10, dans son 27, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. C'est-à-dire que si vous êtes sous l'île en matin, ou qu'on n'a pas le joint bonheur, son pas, ou pas le prendre ou libre, ou pas le bail joffre, tant que le monde a joué poker, ou chiré, dans le temps pour lui. Et puis, nous songez les David Vinoua. David a joué bonheur. Et puis, David va le marier avec le cadre. Donc on a eu des mariages offerts et ça t'est arrivé dans la société nous. Nous songeons nous t'ai gagné un président nous yo. Et de ça continue fait toujours. Nous remarquer n'importe trois présidents qui fait des mariages, c'est monde qui vient marier avec la présidence mais qui pas marié avec type là étant que tel. Nous pas citer non, mais nous grand monde nous te gétan web ça. Il y a des actions pour le prouver, ça nous dit. Ah, il en est de même pour David. Ou nek, maman la papa, ça fait kadeli. Le David vinoua, David marié avec Ital. Un jour, l'âge de l'Éternel a traversé la ville faite. David songeait côté le Seigneur. David a dansé. Parce qu'on connaît, l'or nan position sa yo. Bon question de protocole, bon gens pour marcher, bon gens pour prendre la parole dans la cérémonie, bon gens pour danser. Il y a des fois, quand je dis à la caïno là, nous représentons toute la journée avec Jure Valéreza. Il marchita, il va qu'on habille, il n'est pas faute lui. Un paysan pour diable qui levé, qui vient faire expérience, et puis je dis à Crivé là. Il y a des fois, lors dans la situation, il y a délégué des mouns. Payer des gens qui veulent une bonne notion de protocole, comment pour chita, etc. Et puis pendant l'âge de l'Éternel a traversé, et puis David, dans fait là, pas besoin de où, mais David garde le main et col, David, ouais, c'est lui qui a joué bonheur ça. Ah, David, levé, David, levé, ouais, là, c'est caché, mis David, ouais. Devant le David à Piaya Abdassé. Le Mikal, ou pas vivre fou pour qu'aucun chien bagaille ça qui a traversé là. Mikal, on a troisé David, il garde David. Comme si pour lui, David, son monde qui a fait grimace. Parce qu'il passe dans la dimension pour le jouer bonheur David. Et ça fait, il y a des mariages ou fait, il y a des amis de bon côté. Qui a empêché de jouer bonheur de l'État. Parce que Alléluia. Nous pas gagné, nous pas dans même, nous pas enraciné, nous pas soucié même côté, nous pas joué par les mêmes gens. David prend la rue, l'a dansé. David a joué bonheur. Et c'est ça que fait. Dans écrit cantique, écrit psaume, David, par le nouveau côté, sur la grâce, sur le bonheur, sur la bénédiction. David, par l'écrit cantique ça, dans psaume 128, David, par l'écrit, le cantique. Mais laissez-moi vous dire en partant, c'était un cantique, Psalmiste l'a écrit, c'était pour Israël. Mais nous capables de dire, nous-mêmes qui entrons dans la maison de l'Éternel, nous-mêmes qui avons joué bonheur ça dans moi ça, nous capables de dire ces paroles sont pour vous pendant thématique ça. Et je nous dis, c'est pendant toute durée de vie. David pour l'écrit cantique ça. Dans psaume 128, je parle de son cantique de degré, son cantique de haut niveau. David, par l'écrit, heureux, parce que là, on parlait de bonheur, nous parlait de bénédiction. Heureux, ceux qui craignent l'Éternel, qui marche dans ses voies.
tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ici qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel bénira le Sion et tu verras le bonheur. Jérusalem, tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amdabdoula, ces paroles sont pour vous. C'est ici que tu verras. Amen. Et ceci, David va l'écrire dans verset 4 là. C'est ici qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Dans verset 5, il dit, tous les jours, tu verras le bonheur. Tous les jours de votre vie. Et verset 6 là. Ça veut dire que le Seigneur va permettre que vous verrez vos petits-fils. Là, nous est longévité. Heureux ceux qui craignent l'Éternel. Et nous songez dans Deutéronome. Le peuple ça pral quitter l'Égypte. L'Éternel pral bayo conditions sociales yo, pour rejoindre bénédiction, pour jouir bonheur pendant toute vie. Yo. Même Jean-Salmis l'a écrit, il dit heureux l'homme qui craint tout homme qui craint l'Éternel. Nous songez dans Deutéronome, ou pour rejoindre bénédiction, ou pour rejoindre et bonheur, mais il faut habiter sous les tentes dans la maison de l'Éternel. Ou pour aller jouer bonheur, il faut être créatif pour ses rêves. Ou pour aller jouer bonheur, ou j'entends un signe à alliance là, ou dit, mais il faut habiter dans la maison de l'Éternel. Ou pour aller jouer bénédiction, c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. En Deutéronome, chapitre 28. Là, nous avons verset pour nous, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ce sont là toutes les bénédictions qui se répondront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est comme ça, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, tout sont faits de vous ce monde qui accepte l'été car est bon Dieu. Deutéronome 28, verset 7. À partir de ce moment, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par seul chemin, ils fuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche pour habiter dans la maison de l'Éternel. Et maintenant, nous avons raison pour nous effleurer les psaumes 23. Qu'il a précité chaque jour. Et des fois, c'est comme déjà qu'on répète. Mais maintenant, on a regardé, nous-mêmes qui avons récité le psaume 23, chaque jour, dans toutes circonstances, dans la scène, dans la prière. On a fait regarder dans verset 5 là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Il a fallu que la coupe déborde. Donc, nous avons compris et vu l'utilité de l'onction, les bienfaits même de la puissance et de l'autorité de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie.
et nous comprendre que c'est celle de la présence de Dieu nous capable rassurer, nous capable jouir du bonheur, nous capable bénéficier de la grâce, mes chers frères et sœurs. L'Éternel nous a permis que l'onction que peut-être qu'il a mis dans notre vie est là pour édifier l'Église et non pour s'enrichir au détriment des autres. Il y a plus le monde, bon Dieu béni, il y a plus le monde, bon Dieu by bénédiction, il y a plus le monde, bon Dieu, mettez présence dans la vie, et puis l'air béni, bénédiction, hein, c'est pour faire le monde chuter au lieu de ramener le monde à l'Église. Matin, on a dit que bonheur que bon Dieu fait nous adjouir. C'est nous capables de battre l'autre au coup de défense. Et nous ne pouvons pas dire, je dis à nous représenter le faible reste en dans faible reste là. Il y a division. A fait adventiste par regarder témoin Jéhovah. A fait pentecôtiste par regarder baptiste. Sadou, mormon, c'est ceci. Sadou. Et moi-même, pendant la joue bonheur ça, c'est un plus gros rêve, moi, avant de quitter ça, je t'ai souhaité un réveil éclaté dans mes temps nous, pour nous aimer nous, pour nous jouer le bonheur parfait. Bon Dieu, fait nous comprendre l'onction, puissance, bonheur qu'il y a accordé nous, c'est pour nous aider. Non pas pour exploiter. Et je dis à ça qui a passé dans l'église là. Et un peu de fois, ouais, bah, yo vini comme yo fait des pailles, yo monté, ou en auction, et puis coup de grâce commence à tomber. Et vann bénédiction à vann. Ouais, gen vini à une bouteille de l'eau, gen vini avec un paquet de feuilles. En maillot, pour vendre, c'est comme si c'est non. La caisse a eu bonheur à Chita. David veut reconnaître. Il dit oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et la promesse du bonheur et de la grâce, mes chers frères et sœurs, à travers deux éléments à eux, Dieu nous promet de nous rendre heureux et de nous faire grâce. Parfois, il y a des fois, on a demandé qui ça nous fait à grâce là. Le plan de Dieu pour nous, pour moi-même avec vous, c'est de nous rendre heureux. Et si nous malheureux, je dis à ici-bas, bon questionnement, bon bagage. Qui n'est pas accordé. C'est pour nous bien d'après mon Dieu. C'est pour nous heureux d'après plan mon Dieu. C'est plan mon Dieu pour nous, ce plan de bonheur et non de malheur. Nous voyons aussi et nous faisons une promesse à travers verset A à Dieu. Pendant, bon Dieu a promettre nous grâce, la promettre nous bonheur. Et nous-mêmes tout, nous t'ai accepté signer un contrat avec lui. C'est Jean d'Abdino, c'est demeurer dans sa maison. Oui, il habiterait dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on est prêt pour demeurer pour toujours dans la maison de Dieu? Et sans quoi, le bonheur ça n'a pas l'air. Ou pas besoin. Et nous connaissons que la grâce de Dieu, quand il te l'a dit, c'est pour grand messie. La grâce de Dieu a assuré à l'homme le secours. La grâce de Dieu assure à bail l'homme la destinée du bien-être, la protection, la paix, la joie.
Et quelles sont les bénédictions de la grâce de Dieu, mes soeurs bien-aimées? La grâce de Dieu nous joint le pardon, nous joint toute bagaille ça y est. Nous jouons un accompagnement. Mais il faut nous retirer la caille bon Dieu. Et des fois, ça fait mal en pile. Donc, on voit des gens qui ont dans une cérémonie, peut-être les passer toute vie, parfois c'est souper ou en chita, la fumée, la baille blague, les dîles viennent en veille de nuit, c'est blague qu'à baille. Mais, on a caille bon Dieu. On ne peut pas gagner avec vous. Parce que la grâce, le bonheur n'est nulle part ailleurs. Et ça fait des évangélisations, et ça fait des est-ce qu'on accepte Jésus comme sauveur personnel ou c'est parce que conditionnement, pour jouer une grâce, pour suspendre plaigner, pour suspendre frappé par la malédiction. Et je dis à en pile maladie qui a frappé nous en plein midi, en pile bagaille qui a privé, en pile désarroi. C'est parce que nous, peut-être nous disons, entourage là, nous pas dans la cour. Et parce que nous dans la rue. Ça ne veut pas dire que des pauvres gens viennent accepter Jésus ou pas de problème. Non. Ça ne veut pas dire que des fois, le problème, non, les gens viennent, c'est pour assurer la maturité. Ou. Bon, je ne pas bah, au-delà des capacités. Ou. Et c'est ça qui fait, en pile fois, nous on dit, suspendre penser avec le problème. Ça fait partie des déserts, mais garder solution parce que nous sommes des de Dieu. On dit, peut-être, son défi. Parce que bon Dieu, c'est solution de pour caille, bon Dieu. Comme on dit, ou pas qu'à caille paix pour mourir sans baptiser. La grâce de Dieu a gaspillé, mes chers frères et sœurs. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour vous, merci. Amen. Maintenant, par contre, combien d'en nous qui prêts pour nous renouveler à lire ça, maintenant, dans le thème ça, pour dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, désormais, oui. Et ceci pendant toute la durée. Maintenant, que tout esprit de tiédeur, que tout esprit de chute soit anathème, pendant n'a pas savouré thématique ça. Dans le nom puissant de Jésus. C'est un mien jaloux. Il y a des bonheurs, il y a des grâces, il y a des privilèges. Il n'y a pas de mais nous jouer. Il faut que nous t'a toujours dans les noisseurs. Bien-aimé, le bonheur et la grâce. Le bonheur, c'est d'être bon. Le bonheur, c'est d'être plaisant, agréable, excellent, heureux, prospère, compréhensif. Le bonheur, c'est l'accompagnement, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rend heureux. La présence de Dieu nous rend tolérants. En pile fois, dans la présence de Dieu, nous avons joué grâce là, qui est pour nous, avec famille nous, parce que l'homme, il est né avec le goût du luxe. Là, qu'on vous prenez grâce là, vous avez joué pour contre, ça a suscité des jalousies, ça a créé des chiffres, ça a créé des chuchotements. Et je dis, si nous avons gardé ça qui a passé à travers le pays d'Haïti, sont question de 5% à jouer toute richesse pays parce que l'autre pas dans rien. C'est ça, il y en a partout, il y en a société civile, il y en a société ecclésiale, il y en a toute société. Le bon Dieu béni, il faut être capable
béni ou l'autre. Et m'kon senti li ou jan inconcevable pour nèg aller pour jwenn un chef d'état, pour jwenn un ministre, pour sorti sèche. Pour n'a pas qu'arriver nan kay pasteur, kay moniteur, etc. De l'eau dans Dieu pour le pas joindre une bénédiction, faut bénédiction à partager. Là on prier avec ses frères et sœurs. Il y a des fois, l'on regarde, ou à l'enterrement, on a mis des gros costumes pour chanter, ce n'est que nous revoir beaucoup à Yami, et tandis que pendant l'enterrement, on était malade là, son prescription n'est pas exécutée, qui voulait l'aller. Ou à prier avec lui, ou dire le bon Dieu bénil, mais si on te fait même, bon Jean, il t'a soulagé. C'est ça, grâce là. La présence de Dieu dans la vie nous. Nous pas qu'à de toute l'église, tout le monde demain à l'essai, qu'à gêner, qu'à prier pour nous pauvres d'esprit, pour nous donner toute insécurité sociale, insécurité politique, insécurité financière, comme ça. Côté grâce la passée. La présence de Dieu. Nous rend solide. La présence de Dieu fait que ensemble nous forts. Bon, nous faisons, c'est qu'on presse le gant ça, pour le dire ensemble nous forts. Pas oublier, nous-mêmes haïtiens, nous gagnons un devise nous, nous gagnons un drapeau nous. L'union fait la force. Mais des fois, nous avons l'autre. Qui vient trop. Il a crié trop de grâce. Et puis, ça l'a prêché à parfait référence avec action. Bon, c'est vent qui vient l'église là, mais nous cassons le pas de l'envoi. Là, il ne veut pas qu'on sale pas le bâti de l'envoi. Stress actuel, il n'y a pas de comment qu'elle a pas le payer, il n'y a pas de comment si mon pas l'école, il a voyé retourner. C'est-à-dire que si nous t'es accordé nous de la prière, bénédiction t'a venu, je dis à nous t'avons autonomie, nous t'avons travaillé à tête nous, jeune fille nous, pas t'a pas l'obligé à le mettre dans ton job pour le coucher. Grâce là. Bonheur, bon Dieu, bah, là. Il gagne pour le rester dans la vie pendant toute la durée. Je dis, si nous t'avons une série de manquements, il faut nous garder autour de nous pour nous identifier les problèmes et pour nous proposer les éléments de solution. Et, songez à l'apôtre Paul. Pendant Paul a questionné la foi après la résurrection, la foi, la résurrection de Jésus. Paul a dit, si Christ n'a pas ressuscité, comment ça t'a pié? Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre bénédiction, notre prédication est donc vaine, notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes un faux témoin à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Point. Bon côté, Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si bonheur n'a pas l'air, si c'est seulement dans yon madame, si c'est seulement dans yon petite, si c'est seulement dans yon patron, si c'est comme ça, nous t'avons dit, nous t'avons dit, il y a un monde qui est plus malheureux, même les
nous posséder la grâce. Bon Jean, pour nous voir le bonheur aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs et amis, j'aimerais vous dire ce matin que l'Esprit de Dieu en vous, en moi, que votre bonheur, que n'est pas dans un mariage. Parfois, on nous dit on se marie pour être heureux. L'Esprit de Dieu en vous vous apporte le bonheur dans votre mariage. Si c'est avec mesquinerie ou à le marier, si c'est avec intérêt ou à le marier, il n'y aura pas de bonheur. Si c'est avec l'idée pour exploiter intérêt personnel, le couple ne verra pas le bonheur. Parfois, nous là, c'est vrai. Parfois, nous, c'est à côté de jouer. Parfois, c'est tech baron n'a fait. Mais il a fallu que votre couple déborde, c'est-à-dire chercher d'abord la présence de Dieu, le bonheur et la grâce. Dans nous, pour partager avec les autres le bonheur, pas notre travail. N'a pas fourni non plus. Ou qu'a perdu travail ou. Si moun yo ka rivo au côté, yo obligé de séparer de nous. Le bonheur n'est pas dans votre beauté naturelle. Après yon accident, soit après la vieillesse, soit pas la vieillesse. Mais votre bonheur se trouve dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Votre bonheur n'est pas dans vos amis non plus. Ils peuvent vous abandonner en pleine mer. Si c'est dans cette vie seulement, on n'est plus malheureux. Mais le bonheur et la grâce de l'Éternel nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous parlons dans Psaume 50, David qui t'a fait un plaidoyer avec le bonheur, qui t'a mis le bonheur sous diverses facettes, suivant Jean le vivre, Jean le comprendre. Dans Psaume 50, verset 2, tu as parlé avec Israël. Il dit, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Sion. Dans Matthieu, chapitre 20, 8, verset 20, Jésus, bon Dieu, pour dire, voici, je suis avec vous tous les jours. Et jusqu'à la fin, à Jérémie, Dieu disait, je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. À Josué, en Josué, chapitre 1er, verset 5, mon Dieu va dire, je ne te délaisserai pas. Mon Dieu parle là, pas cham abandonné. Si seulement si on gardait Aliasou, on restait dans la maison de l'Éternel. Il va dire à Esaïe, une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, non plus, je ne t'oublierai point, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire que notre bonheur, j'en ai parlé à lui en Christ. Notre bonheur, lui en Dieu. Dieu nous rend heureux. Pour nous faire monde. N'a côtoyé aujourd'hui pour nous faire heureux tout, pour nous contribuer au bonheur des autres. Bon Dieu prend plaisir dans ça. La source du bonheur, c'est bon Dieu. Laisse nous attacher nous avec lui, nous vivre dans l'intimité, nous rester la caille, le bonheur que Dieu nous donne, peut-être nous accompagner tous les jours dans notre vie. Mes chers frères et sœurs, maintenant,
nous pas plus long, non? Vous croyez que nous, bon, l'essentiel un peu, nous partager avec nous invitons même les tout le monde qui tout yali, etc. Yo éloigné ou de où ou bien notre travail là, etc. Il y a bon mauvaise attitude, etc. Pas la guépe, bon Dieu. Faut gens pour toujours rester caille bon Dieu. Faut gens les chercher adresse ou pour rejoindre les caille bon Dieu. Alléluia. Éternel, ne vous quittera jamais. Sachez ceci ce matin. Votre bonheur est en Dieu. Il vous accompagne. Il sera toujours avec nous. Que vous restiez dans la maison de l'Éternel pour jouir de cette grâce, pour jouir du bonheur en abondance. Il vous rend heureux. Soyez fidèles. Fort sincères. Psaume 23. Verset 6, et nous te faire référence à Vel Matéa. Salmis l'a dit. Et qu'il a précité chaque jour. Somme 23, verset 6 là. Et ça lui dit, Salmis l'a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Songez parole ça, songez à lire ça, songez engagement ça vous prend. À chaque fois que vous avez cité, somme ça. Que bon Dieu bénisse. Bonne journée, bonne adoration dans le Seigneur. C'était ça.